Good morgen, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le lundi. Shmat avant Chayin Orber Ben Fortune, Mazal, Idida Ben Tesserekov, Nissim Ben Chana, Machlouf Micha Ben Masouda et Sol Vanish Levet Delmas, si vous savez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contacté de 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Ketout, Perek, Gimel, Mishnah Aleph. Amroulo Achalta Chelev, Mevi Chatat. Edomer Achal, ve Edomer Lo Achal. Isha Omeret Achal, ve Isha Omeret Lo Achal. Mevi Hasham Talum. Ed Omer Achal, vehu Omer Lo Achal Tipatur. שניים אומרים אכל, והוא אומר לא אכלתי, רבי מאיר מחייב. אמר רבי מאיר, אם יביאו שניים למיטה חמורה, לא יביאו לקורבן הקל? אמרו לו, מה אם נרצה לומר מזידה איתי? On va parler dans cette Mishnah d'un corban khatat que l'on va apporter, alors que je ne sais pas est-ce que j'ai transgressé la faute, mais c'est quelqu'un d'autre qui me l'apprend. Une personne, une femme, deux personnes, et on va voir aussi le cas où je contredis ou non le témoin. Et je m'explique. Prenons la base d'un korban, c'est parce que je fais teshuva. Je prends conscience de ma faute, et je fais le vidéo, je reconnais ma faute, et je vais apporter un korban pour me faire expier. C'est explicite même dans la Torah, Ohoda elav chatato asher chata. Je dois apporter un korban chatat que lorsque je vais savoir que j'ai transgressé la faute. Par contre, si je ne sais pas est-ce que j'ai transgressé la faute, cas classique, qu'on va évoquer dans notre Mishnah en l'occurrence partiellement, relève, il y a une graisse interdite dans l'animal, il y a des graisses permises et des graisses interdites. Il y avait en cuisine de la graisse qui était posée. Je l'ai prise et je me suis fait un sandwich. Et puis après, j'ai un doute, est-ce que c'était une graisse permise ou une graisse interdite? Je ne pourrais pas apporter un korban khatat dans le doute. Un korban khatat, je dois l'apporter que lorsque je sais. Dans le doute, je pourrais apporter un korban hasham talouy. La Torah elle a laissé la possibilité, lorsque tu as transgressé une faute très sur laquelle on est passible de karet, lorsque tu la transgresses complètement, bemezid, quand on t'impose de korban khatat lorsque tu étais beshogeg, alors la Torah t'a dit, tu sais, lorsque tu as un doute, tu pourras même aussi apporter un korban hasham talouy. D'accord, c'est un korban hasham, c'est-à-dire que c'est un korban que tu apportes en hasham, qui va suspendre la faute jusqu'à que tu vas savoir est-ce que réellement tu as transgressé la faute. Lorsque tu sauras que tu as transgressé la faute réellement, tu apporteras ensuite un deuxième korban, ce sera ton korban khatat. Ok? Donc, je récapitule. On a dit deux points importants pour le moment. On a dit qu'il faut nécessairement prendre connaissance de sa faute pour pouvoir apporter un korban. Deuxièmement, on a aussi parlé du korban Hasham Talouy, c'est une petite, ça va être nécessaire pour le milieu de la Mishnah, du korban Hasham Talouy que l'on apporte lorsqu'on a un doute. La problématique de notre Mishnah, elle est de savoir maintenant, si moi personnellement, je ne sais pas est-ce que j'ai transgressé un interdit, mais quelqu'un d'externe m'apprend, une tierce personne m'apprend, me fait savoir que j'ai transgressé un interdit, et puis moi, j'ai vraiment aucune idée. Alors la Mishnah m'enseigne, Amrulo achalta chelev, mevi chatat. On lui a dit que tu as mangé du chelev, tu as mangé une graisse interdite, eh bien, mais vie khatat, tu devras porter un korban khatat. La Gemara explique qu'en fait, amroulo, même si c'est au pluriel, en réalité, c'est interprété dans le monde, on lui a dit, mais en tout cas, on parle d'une seule personne même qui est venue, on parle d'une seule personne qui est venue qui lui a dit, sache mon cher ami, que lorsque tu t'es fait ton sandwich aujourd'hui, eh bien, tu n'as pas mis de la viande dedans, tu as mis du chelev. Alors, et moi, je me tais, je ne le contredis pas, j'en sais rien. Je ne vais pas lui dire peut-être que non. Vraiment, je ne sais pas. Tu affirmes. Je veux bien te croire. Et je vais chez le rave et je lui dis, voilà, quelqu'un m'a appris que j'ai mangé du chelev. Le rave me dit, moi, qu'est-ce que je rétorque? Je ne sais pas. Je le crois. Il me dit. Alors, la Mishnah m'enseigne, tu dois apporter un korban khatat. J'insiste à prendre ce cas spécial, à ne pas dire que je le compte en lui disant, je ne sais pas, peut-être que non. Parce que si je le compte en lui disant, peut-être que non, il y a une marque 4 échonymes, c'est apporté ici dans le Tosot Yom Tov. Par le cas entre Nosot et Rachid. D'accord? Donc en fait, on parle du cas où Chatak, il n'a pas rétorqué parce qu'il n'a pas d'avis, ne sait se prononcer. D'accord? Je saute maintenant sur le troisième cas de figure. Pour le moment, je saute la phrase Ed Omer, Achal, Ed Omer, Achal, Isham, pour arriver maintenant sur le cas où il y a Ed Omer, Achal, Ed Omer, Achal, Tipatour. Par contre, si un témoin vient et lui dit tu as mangé, et lui dit mais non, je n'ai pas mangé, alors il sera cru. Et donc il sera dispensé de porter un korban khatat. Et là je m'explique un petit peu. La Torah a insisté en disant dans deux endroits dans la Torah, Alpi Shnaim Oshloshadim Yumatamet Lo Yumat Alpi Edechad et Alpi Shnaim Oshloshadim Yakum Davar Lo Yakum Edechad Cholavon ou Chol Khatat. Je ne sais plus comment c'est dit exactement. C'est dans la chiotte de Devarim, une fois dans Shoftim, une fois je ne sais plus où. Un témoin n'est pas cru en général. Pour la plupart d'alors de la Torah, il faut nécessairement deux témoins cachés, des hommes et pas des femmes. Une femme elle est sous la doute. Il faut nécessairement des hommes. D'accord? Donc, deux témoins,
homme kasher pour témoigner dans toute la Torah. À quelques exceptions près. Il y a plusieurs cas de figure. Un dans la Shuata et doute, un par rapport à la femme sota, une stira, et il y a aussi une halakha qui concerne les interdits. Lorsque j'ai un morceau de viande posé, je ne sais pas son origine, est-ce qu'il est kasher, pas kasher. Et un témoin vient et dit c'est kasher, ou bien dit c'est pas kasher. Un témoin même a la capacité, a la possibilité de témoigner dans un cas pareil, où on ne sait pas la chose, ce qu'elle est permise ou interdite, et bien il fixe que désormais on va la considérer comme interdite. Si ensuite une tierce personne va venir et va le manger, on va le frapper, on va le punir, on va le condamner à mort, on va à chacun tout ce qu'il faut. Parce que il y a un témoin qui est venu témoigner, alors qu'on n'avait aucune idée initiale sur la question. C'est le cas particulier où un témoin peut croire. Maintenant, un témoin qui vient, mais à condition qu'il ne se fasse pas contredire. S'il se fait contredire, alors il n'y a plus de témoin, il n'y a plus de témoignage. D'accord? Il s'annule. C'est une halakha un peu subtile, il y a une petite différence entre deux témoins. Lorsque c'est un contre un ou deux contre deux. Deux contre deux, on considère les deux. Un contre un, c'est un peu plus nuancé. On ne va pas entrer dans des nuances tellement, c'est un peu. Ça risque de compliquer la tâche. Donc, pour le moment, on retient. Un témoin, le premier cas de la Mishnah, c'était un témoin qui vient qui me dit t'as mangé. Et moi, je lui dis, je lui réponds pas, je sais pas. Eh bien, je dois porter un corban. Par contre, s'il vient et me dit tu dois porter un corban, et moi je lui contredis, je lui dis non, alors, dans ce cas-là, je serai dispensé. Je serai dispensé parce qu'en fait, pour ce qui me concerne à moi, je suis plus cru qu'une tierce personne. À la différence du cas où maintenant je vais avoir deux témoins qui vont venir, un qui va me dire tu as mangé, l'autre qui va me dire tu n'as pas mangé. Et là je reviens sur le cas intermédiaire, Edomer Achal ve Edomer lo Achal. Une contradiction maintenant. La Torah m'a dit tu crois un témoin lorsque tu n'as pas d'idée. Mais un témoin qui vient et qui affirme que oui, et l'autre témoin qui vient et qui affirme que non. Ou encore Ishao Meret Achal ve Ishao Meret lo Achal. Une femme qui vient et qui dit que tu as mangé, l'autre femme qui vient et qui dit que tu n'as pas mangé. Parce qu'en fait, cette fameuse loi qu'on croit un seul témoin pour fixer est-ce que une chose elle est permise ou interdite, on croit même une femme cette fois-ci. Même si la femme elle est invalidée pour témoigner, pour ce type de témoignage, elle est oui, kshera pour témoigner. Donc en fait, on se retrouve dans la même situation, on a une contradiction, un témoin contre un témoin. Dans le doute, la Mishnah m'enseigne bien, Mevi Hasham Talouy. Tu devras apporter un korban Hasham Talouy, le fameux korban qu'on apporte lorsque tu as un doute, est-ce que tu as transgressé un korban khatat ou pas? Est-ce que tu as impossible imposer de khatat ou non? D'accord? C'est-à-dire, donc en fait, je reprends. Un témoin vient me dire tu as mangé la chose interdite, je ne me prononce pas contre, je dois porter mon korban khatat. Deux témoins, un qui dit que tu as mangé, l'autre qui dit que tu n'as pas mangé, moi je n'ai toujours pas d'avis sur la question, alors je dois considérer les deux cette fois-ci. La méchante enseigne, tu considères les deux, et puisque tu as un doute, je crois entre les deux mon cœur balance, oui ou non, je ne sais pas, je dois porter un korban khatat. Par contre, si c'est moi qui le contredis, alors pour ce qui me concerne à moi, je suis cru plus que le témoin, que le témoin unique qui vient témoigner contre moi. Mais non, tu as mangé, lui dire non, j'ai pas mangé. Je mange pas de viande. Moi je suis végétarien, je mange des sandwichs au fromage. Il me dit non, t'as mangé de la graisse. Moi je te dis non. Tu dis oui, je te dis non. Eh bien, puisque c'était un seul témoin, je l'emporte contre lui et j'ai aucun devoir d'apporter un corban. Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, c'est un peu plus compliqué. Shnayim omrim achal vehu omer lo achalti. Deux personnes, deux témoins qui viennent et qui lui disent tu as mangé. Et moi qui m'entête à me dire non, je n'ai pas mangé. Eh bien, Rabbi Meir va me dire mais tu devras apporter un korban khatat. On explique un petit peu mieux. Me prononcer contre deux témoins. Deux témoins, c'est le top dans toute la Torah. Lorsque deux témoins, ils parlent, ce qu'ils ont dit, c'est Kodesh Kodashim, on le prend et on va avec. Dans la mesure où ils tiennent la route, ils ne sont pas contredits par d'autres témoins, ou peu importe, deux témoins qui ont affirmé une chose, d'accord? Deux témoins qui viennent et qui me disaient, hey, Shabbat dernier, t'as fumé, on t'a prévenu, t'as fumé. Et moi, je leur dis, de ma vie, j'ai pas touché une cigarette, qu'est-ce que vous voulez? Hey, t'as fumé. Eh ben, on va me prendre, on va aller me tuer. Mais je crie le contraire, je l'emporte pas contre des témoins. Deux témoins, ils l'emportent contre moi, eux, ils me condamnent, et puis moi, je peux pas me prononcer pour moi-même, pour mon statut. D'accord? De ce fait, qu'est-ce qu'on constate de là? Que deux témoins ont la capacité de me faire condamner à mort. D'où la logique de Rabbi Meir. Si deux témoins peuvent me faire condamner à mort, contre mon gré, parce que moi je fais que d'hurler que je n'ai jamais fumé de ma vie à Shabbat. Alors à plus forte raison, lorsqu'on était Béchogeg, deux témoins qui viennent me disaient tu as fumé, tu as oublié que c'était Shabbat. Et moi je leur dis mais de ma vie j'ai pas fumé. Eh bien dans ce cas-là, n'est-ce pas à plus forte raison que eux vont me forcer à porter aussi un korban khatat? Regardez, on fait ça dans les mots. Shnayim omrim, achal, deux me disent tu as mangé une graisse interdite. Et lui rétorque, non, je n'ai pas mangé. Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir impose d'apporter un korban khatat.
Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, il s'explique. Im heviu shnaim le mita chamura. Regarde, si deux témoins peuvent l'amener à apporter à une condamnation à mort contre son gré. Il dit, j'ai jamais mangé de relève, je suis végétarien, j'ai jamais fumé de cigarette, je fume pas. Comment tu veux que je fume le Shabbat? Malgré tout, il me condamne à mort. Lo yeviuhu, les korban akal, n'est-ce pas plus forte raison qu'ils vont m'imposer d'apporter un korban plus léger? Je fais un petit break pour soulever une question très pertinente, soulevée par Tosfot, rapportée ici dans le Tosfot Yom Tov. Une petite subtilité, que, en réalité, le calva romain, il n'est pas tellement évident. Il a une certaine illogique. Pourquoi? Parce que j'apporte un... Me faire condamner à mort, on ne me demande pas mon avis, on me prend, on me tue. Mais apporter un korban khatat, parce que je fais teshuva. C'est-à-dire, si je ne fais pas teshuva, moi je m'entête. Ils me disent, ah, tu as fauté. Et alors, j'ai aucune envie d'apporter un korban. Je ne vais pas faire teshuva. Le korban ne va pas, je vais pas pouvoir, on ne va pas pouvoir en penser d'apporter un korban. Apporter un korban, c'est quelque chose de personnel, parce que je veux me faire expier ma faute. C'est une mitzvah, c'est une obligation. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir m'arracher de force un korban. Le but d'apporter un korban, c'est pas de prendre un animal et de l'égorger pour donner à manger au kohanim. C'est pas le principe. Le principe, c'est tu fais une tshuva, au lieu que tu te fasses toi tuer parce que tu as fait une grave faute, alors tu apportes un sacrifice à Hachem et tu vois le korban comme si c'était toi. C'est le principe du korban. Mais là, si le gars, il s'entête à dire j'ai pas fauté, et l'autre, il dit oui, tu as fauté. Eh ben moi, j'ai pas fauté. Alors j'ai fauté, alors tant pis, j'ai fauté, d'accord, j'ai fauté. Je ne veux pas apporter de korban, laissez-moi tranquille. Tosfot explique vraiment, si c'est, je suis aussi ferme que ça, je l'emporte. Parce qu'on ne peut pas me forcer de me faire une kapara. Alors, de quoi nous parle la Mishnah en réalité? De quoi nous parle Rabbi Meir? On parle d'un cas un petit peu plus subtil. C'est que je suis moins violent dans mes termes. Je vais juste aller voir le Rav et je vais leur dire, écoutez Rav. Lui, il s'entête à me dire que je dois apporter un korban. Moi, je sais que je n'ai pas fauté. Maintenant, si vous, Rav, vous tranchez que je dois apporter quand même un korban, bon ben, tant pis, je l'apporterai, mais je m'entête pas. C'est-à-dire qu'en fait, le korban que je vais apporter, je ne vais pas l'apporter contre mon gré. Je vais juste m'intéresser à savoir à qui la crédibilité dans un cas pareil. Au témoin ou à moi? Sur ça, Rabbi Meir va me dire, mais tu sais quoi? Deux témoins, ils l'emportent contre toi, toi tu t'écrases. Eux, fixent c'est quoi ton statut? Parce que même pour se faire une condamnation à mort, eux ils sont crus, à plus forte raison aussi, lorsqu'on va parler de juste d'apporter un korban, dans la mesure où tu n'es pas contre. T'as pas de contre-indication à apporter un korban si toutefois le Rav t'impose de l'apporter. D'accord? C'est la réponse d'Otosot qui t'a rapporté ici, Veshlomar. Et ils disent ici, Avalhaï nichale bekapara, et la chou savar liot patour. Lui, il n'est pas contre de faire une kapara si toutefois il faut la faire. Mais juste qu'il pense qu'il est dispensé. D'accord? Sur ça, Chachamim vont rétorquer. Ils vont lui dire, non, Abroulo, maïmir tselomar mezidaiti. Mais regarde, c'est faux ton histoire, Rabbi Meir. Toi, tu dis que deux témoins vont le forcer à porter un korban. C'est faux, parce qu'il pourra toujours dire que j'étais conscient, j'ai agi avec préméditation, j'ai vraiment voulu transgresser l'interdit. Et je m'explique. Deux témoins viennent et me disent, hey, tu sais, hier tu as mangé du chélève. Je sais, hier j'ai arrêté d'être religieux. Aujourd'hui j'ai repris, ça y est. Mais hier j'ai fait une petite pause. J'ai mangé pas cachère. Ah, donc ils vont pas m'imposer d'apporter un corban. Un corban on apporte parce qu'on a transgressé par inadvertance. Pas parce que j'étais conscient. Là j'affirme avoir été conscient. De ce fait, je ne dois pas prendre un korban si j'affirme que j'étais bémézine. Partant de ce principe, il y a la grande règle du migo dans la Torah. Migo, c'est littéralement, c'est-à-dire du fait que. C'est lorsque j'ai la possibilité de me dispenser d'un devoir en prétendant une chose, j'ai la possibilité, dans certaines situations, d'affirmer autre chose et d'être cru, parce que si j'avais voulu me dispenser de mon devoir, j'aurais de toute façon affirmé l'autre chose. Et j'aurais prétendu l'autre chose, et j'aurais été cru, en l'occurrence, je reviens ici. J'affirme que j'ai pas mangé. Et ils me disent, ouais, mais tu dois porter un korban. Et moi je dis, non, je dois pas porter un korban parce que j'ai pas mangé. Si je voulais juste me dispenser du korban, eh bien, j'aurais pu tout simplement dire, vous avez raison, j'ai mangé, j'étais pas religieux hier. Aujourd'hui, j'ai repris. Donc, premièrement, vous, lorsque vous l'ouvrez contre moi, vous pouvez pas me forcer à porter un korban. Alors maintenant, écoutez-moi, croyez-moi que réellement, j'ai pas mangé, parce que si je voulais uniquement me dispenser de mon devoir d'apporter un korban, j'aurais tout simplement affirmé que j'étais méside. Donc, j'ai un droit d'être... j'ai un joker pour être crédible dans l'histoire. Donc, croyez-moi que finalement, lorsque j'affirme que je n'ai pas mangé. Ok? Je peux pas ne pas rajouter un petit mot quand même. Ça contredit une grande règle de Migo Bimkom Edim. De manière générale, on ne peut pas dire Migo contre des témoins.
Je pense qu'on va laisser tomber. Regardez si ça vous intéresse. Regardez dans le Tifrat Israël, il en parle même un petit peu dans le Tosot Yom Tov, il en parle aussi. La solution, bon, on ne va pas rallonger trop, je pense que ça suffit. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine de Hatzlacha, Kol Tov, ça.